Salut tout le monde, c'est Ti pour une vidéo annonce recrutement du serveur Jumanji. Donc pour ceux qui savent pas quel est le serveur Jumanji, je vous invite à regarder sur ma chaîne mon let's play. C'est tout simplement un serveur ultra hardcore que l'on a créé avec des potes, donc déjà la team Dega Games et Clément08, c'est les 4 créateurs du serveur, donc Toa, Mabry, moi et Clément. En fait, ce qu'on fait sur ce serveur, c'est tout simplement de la survie sur du ultra hardcore. Donc ultra hardcore, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de régénération de vie, sauf avec des pommes d'or, des potions ou des beacons justement régénération. Comme ceux qui m'ont suivi justement la vidéo du let's play, je vous ai dit dedans que ce n'était pas possible de rejoindre le serveur, sauf si on vous y invite. Et donc là c'est le cas, donc c'est le moment de pouvoir rejoindre le serveur, mais il y aura un petit truc à faire juste avant de pouvoir le rejoindre. C'est tout simplement, donc là vous voyez que je suis sur mon site, en fait pour ceux qui sont jamais sur mon site, je vous invite à aller faire un tour, ça serait super sympa et me dire ce que vous en pensez. Le fond derrière je vais le changer sûrement là, puisque j'avais mis ça comme ça parce que ça allait bien avec le bleu, mais je vais sûrement le changer. Oui, comme je vous disais, pour rejoindre le serveur Jumanji, vous aurez une chose à faire, c'est-à-dire il faudra répondre à un formulaire. Le formulaire est donc sur mon site. Vous pouvez accéder soit en lisant, comme vous pouvez voir ici, recrutement abonné sur Jumanji, en cliquant soit sur sondage ou directement dans la rubrique Jumanji qui est juste ici. Vous devez répondre à toutes ces questions. Vous devez répondre à toutes ces questions. Pour avoir une chance d'être pris, donc après c'est pas forcément sûr que vous y serez pris. Donc là je sais pas quel âge as-tu, je vais marquer, en fait je vais faire comme si je voulais être recruté, je vais vous expliquer comment faire, je vais faire comme si je voulais être recruté pour vous montrer un petit peu un exemple de ce que j'attends en fait sur ce sondage de recrutement. J'ai un petit peu du mal à parler. Donc quel âge as-tu? Hop, vous marquez juste 17, vous pouvez marquer 17 ans comme vous voulez. Quelle est votre spécialité dans Minecraft? Je demande ça tout simplement parce que chacun des personnes sur le serveur a une spécialité. Par exemple, moi c'est Redstone et Terraforming. Anthony c'est plus constructeur et décoration. Par exemple, Red Steel c'est un peu plus roleplay. Voilà, après chacun a son rôle tout simplement. Donc moi je vais cocher tout simplement Redstone et Terraforming. Vous n'avez pas besoin de cocher plusieurs, vous pouvez en cocher que un. Mais mettez bien vraiment votre spécialité. Si vous... Moi aussi je sais construire, je sais décorer tout ça. Mais là où je suis, on va dire, vraiment bon, c'est la redstone et terraforming. Donc c'est là-dedans que. Enfin, vous mettez votre spécialité vraiment ce que vous savez faire le mieux. Voilà. Que comptes-tu apporter au serveur? Donc c'est-à-dire. Si tu rejoins le serveur, qu'est-ce que tu comptes faire dessus pour améliorer le serveur? Alors là, je vous laisse à votre inspiration. Moi, je n'ai pas d'idée plus que ça. Pour l'instant, je vais laisser vide pour. Même si vous êtes obligé. Là, à chaque fois, il y a des astérix, en fait, c'est que vous êtes obligé de répondre. C'est marqué juste ici. Même si, comment dire. Je vais y réfléchir. Je vais continuer à rester, je vais y réfléchir. Donc, es-tu habitué d'ultra hardcore? Comme je vous ai dit, ultra hardcore c'est Minecraft en survival sans aucune régénération de vie à part avec des pommes en or ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que si vous prenez des dégâts, ben, vous ne régénérez pas votre vie. Donc, oui, moi je vais dire oui. Hop. Depuis combien de temps tu joues à Minecraft? Je pense que vous aurez compris. Donc, moi je vais marquer 2 ans. Là, par contre, marquez bien 2 ans, ne marquez pas juste 2 ans, même si à mon avis je comprendrais. Possèdes-tu la version premium de Minecraft? Oui ou non? Voilà, moi je mets oui. Ton pseudo en jeu, ça c'est très important avec les majuscules et tout ça, il me faut. C'est pour pouvoir vous ajouter à la waitlist après. Voilà, donc tes plages horaires disponibles, même la semaine, c'est-à-dire par exemple si vous êtes disponible le week-end, je sais pas, de 10h. 10h, comment dire, allez, on va dire 20h ou 22h le week-end. Voilà, vous mettez comme vous le souhaitez. Donc moi, j'ai marqué par exemple semaine 2 points. Je vais marquer allez, 17h.
22h et week-end. Essayez de bien marquer comme ça sera plus, enfin, ça sera plus utile pour, enfin, comment dire, pour m'organiser moi, ça sera largement mieux. Donc, mettez, si vous n'êtes pas obligé, mais si vous pouvez mettre comme ça, c'est comme moi, ça serait cool. Et week-end, je vais marquer 9h, je sais pas, allez, 1h du mat. On va mettre plutôt, allez, ouais, allez, 1h. 1h, quand je veux dire 1h, c'est 1h du mat, et sinon vous mettez 13h. Voilà, ça c'est pour la semaine et le week-end. Après, bon, vous mettez pas 9h, midi, 14h, vous mettez une plage d'horaire en général. Voilà, possède un micro, si une de bonne qualité, je possède un micro de bonne qualité aussi. Voilà, Thomas Simeil, je vais pas la mettre. Vous pouvez mettre aussi votre chaîne YouTube, c'est tout simplement pour que je puisse vous recontacter si vous serez appris. Donc, moi je vais juste marquer Etinimos. Et vous pouvez marquer entre parenthèses par exemple YouTube si c'est un YouTube. Bon, en général, si vous mettez juste Etinimos, c'est que c'est un YouTube, parce que sinon il y aurait Etinimos@ par exemple hotmail.fr, Gmail, tout ce que vous voulez. Et pourquoi es-tu intéressé par ce serveur? Donc, pourquoi tu aimerais le rejoindre, tes motivations et tout ça? J'ai marqué, je sais pas, faire avancer le serveur avec mes connaissances en redstone et terraformage. Voilà, par exemple. Et donc ici, je sais pas, moi, quand tu apportes au serveur du rôle, là c'est vraiment un exemple. Vous mettez ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête, c'est ce que voilà, vous pensez faire du replay et du fun, par exemple. Même si c'est pas comme ça que vous êtes recruté, mais pourquoi pas. Hop, et là vous faites envoyer. Et voilà, votre réponse a été enregistrée et je la recevrai dans mes. Hop, non, c'est pas ça. C'est. Hop. Hop. Et je verrai la réponse. Tac, 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 tac. Juste ici, voilà. Et donc c'est comme ça que je vais pouvoir vous retrouver vos réponses et tout ça. Donc voilà, la fin de cette petite annonce est maintenant terminée. Donc le lien de mon site est disponible dans la description. Donc je vous invite à foncer vous inscrire au sondage. Et je vous souhaite bonne chance au recrutement. Allez, je vous laisse, bye bye tout le monde. Ciao.